Yo tout le monde, c'est Link, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons jouer à Simpson Hit and Run, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc j'ai vite fait aussi changer les contrôles. Voilà, j'ai le bouton pour sprinter comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le bouton action, je sais toujours plus c'est lequel, c'est celui-là. Donc j'y ai un peu joué. Enfin j'y ai un peu joué de mon côté, j'ai recréé une partie parce que bah, comme vous le savez, dans le dernier épisode il y a eu des bugs, enfin à la fin du premier épisode il y a eu des bugs, et donc je me suis dit, enfin il y a eu beaucoup de lags et je me suis dit je sais pas à quoi était dû ça, les lags, et donc bah, j'y ai joué pendant une heure sans qu'elle s'en filme et tout, il n'y a pas eu de bug, donc je sais pas d'où ça venait. Donc voilà. Alors là j'ai envie de vous dire, je vais faire un truc sur lequel j'avais déjà... J'étais déjà allé quand j'avais fait ma partie, bien sûr. Donc je connaissais ce truc. Donc là on a une petite caisse où on va gagner plein de thunes déjà. Et donc ouais, désolé pour le manque de vidéos qu'il y a eu ces derniers jours. Mais pour tout vous dire, je suis en recherche de stage et mon stage c'est dans 2 semaines. Et donc je n'ai toujours pas trouvé de stage et voilà pourquoi il y a eu moins de vidéos ces derniers temps parce que bah comme voilà, j'étais en recherche de stage. Voilà voilà. Donc on va aller par là, on va retourner voir Marge. Voir ce qu'elle nous veut. Je connais la mission pour tout vous dire. Et j'ai un peu plus augmenté le son par rapport au dernier épisode où on n'entend pas du tout, pas beaucoup le son du jeu. Donc j'espère que ça ira, que ça sera pas trop fort. Parce que pour tout vous dire, je suis aussi un peu fatigué. Et donc ma voix est pas très forte. Hop là, on est arrivé, on va aller voir Marge. Marge qui est à la case bas. Comme d'hab, comme toutes les femmes au foyer. Non, je rigole, c'est une blague. On va arrêter. Et voilà, il y a marche. Ta mère va parler à Ned Flanders. Il a l'air fâché. Pourquoi moi? Je suis le meilleur voisin du monde. J'ai même une tasse pour le prouver. Ah. Il y a Ned Flanders qui est énervé d'après Marge. Donc on va voir pourquoi il est énervé, Ned. Je vais prendre ma voiture pour aller voir Ned. Toujours bien. Sa bagnole pour ça. Hop là, voilà. Hey, je suis là, Homer. Il y a tellement de choses qui ont disparu que j'ai appelé la police pour qu'ils trouvent le coupable. Coupable, hein? Ma tondeuse, ma glacière, mon transat, un portrait de famille, même l'inhalateur de Rod. Quel genre de malin peut bien voler ça? Oh non, j'ai emprunté tous les objets de Flanders. Vite, il faut trouver une excuse pour filer d'ici. Je suis désolé, je dois aller grainer du maïs. J'aime beaucoup l'excuse. Donc, il faut trouver six peu objets perdus de Ned avant la fin du temps imparti. Donc, c'est parti, on va y aller. Donc j'ai 30 secondes pour le faire. Donc je sais à peu près où se trouvent les objets. La responsable, c'est ma bête noire. Alors là, on récupère le costume. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Le prochain objet, je sais plus où il est, la tondeuse. Elle est là, la tondeuse. C'est quoi après? La glacière de Flanders? Je l'ai donnée à Barnet. Bien. Allez, Barney il est là. Donc, on va lui parler. Tu te souviens de la glacière que je t'ai offerte pour ton anniversaire? Flanders veut que je la lui rende. Qu'est-ce que je vais utiliser comme toilette? Hop là, on a trouvé la glacière. On re-rentre dans la bagnole. Oups. J'ai appuyé sur le bouton pour faire ben. Comme ça que je suis arrivé. Un reset de la voiture, mais c'est pas grave. Là, il y a la chaise. Presque fini. Maintenant, il me faut la photo Minap de Flanders avec sa famille Minap. La photo qui est, je ne sais plus trop où. Je vous dis, je l'ai fait cette mission déjà, donc.
maintenant le dernier. Où j'ai bien pu mettre l'immonde inhalateur de Rod? Mais oui, sur le capot d'un camion d'œuf. Voilà, sur un capot d'un camion d'œuf, donc l'endroit où on était tout à l'heure. Okiwi Mark. Hop, il est là. J'espère que ne pas appuyer veut dire appuyer tout de suite. Maintenant, rapportez ce truc avant que la police ne me trouve ici à parler tout seul. Et c'est parti, on va aller voir Ned pour dire qu'on a récupéré tous ces objets. S'en fout de ton cou, Homer. Et donc, j'aime beaucoup vraiment ce jeu. Pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt? Je suis une bête de vitesse impitoyable. Hop, NR. Regarde, j'ai trouvé ce que t'avais égaré. Maintenant, à propos de la récompense... Merci, super voisin. Voilà ta récompense. Une prière du fan numéro 1 du Seigneur. Notre Père qui est aussi béni ce noble ballon. Stupide Flanders, il trouve son bonheur dans la religion. Et voilà, on a réussi à terminer. Et la voiture qui apparaît de nulle part. Super. Donc allez, il faut aller chez les Simpson. Oups, désolé Ned. Je crois que je me débrouille pas très bien. Hop. Et on va aller voir ce que veut Marge encore une fois. Parce que Marge, elle veut plein de trucs. Elle veut faire des trucs. Ah. Aujourd'hui, c'est le jour de ton évaluation avec Monsieur Smithers. Ah merde! Il va trouver ma ferme de scorpions! Et après, ils vivront où, mes scorpions? Une seule personne peut m'aider, Lenny. Allez, donc ok, il y a. Il y a évaluation de. Au boulot, à la centrale, c'est super. Comment je vais faire? Oui, vibration, j'étouille les pieds. Donc allez, faut aller au Krusty Mark. On est parti. Cette mission là je la connais pas. Là je vous dis à partir de là le jeu je connais pas. Voilà. J'avais juste fait enfin joué même pas une heure. Mais juste pour voir ce qui clochait pour les lags. T'aurais dû tourner dans Cannonball Run. Il est là Lenny, c'est cool. Il est pas trop loin. Allez action. Hé Homer, un courant pour ton petit-déj. Pas le temps, dis-moi où est Monsieur Smithers. Je crois que je l'ai vu au Quickie Mart. Cool. Plus de churros pour Lenny. Il va me falloir une bagnole avec plus de camelotes dans le coffre si j'ai le sort. Je me demande si Barney a toujours sa charrue. Pour terminer la mission, vous devez conduire le super chasse-neige. Achetez-le à Barney à la station essence pour 150 pièces. Important, utiliser les cabines téléphoniques pour accéder à vos vieilles voitures. Ok, faut que j'ai 150 pièces. Je sais pas du tout combien j'ai de pièces. Oh bah je suis presque à 150, c'est cool ça. On va récupérer les dernières pièces qui me manquent. Tu dois trouver d'autres. Voilà. Et la deuxième pièce. Comme ça, j'aurai de la thune. Voilà. On va pouvoir aller voir Barney. Et lui acheter. La bagnole. La Barney est juste là. Hé hey, mec, Barney, je peux t'emprunter ta charrue? Oh, ce que tu veux, lutin sexy. Tire pas sur moi avec ton body pistolet. Il est pas bien. Si tu veux. Barney est vraiment pas bien. Donc le super chasse-neige. On achète, voilà. Et voilà, empêcher Smithers d'arriver à la centrale en détruisant sa voiture. C'est l'heure de se cracher. Alors je sais pas du tout où est le véhicule, bah il est là. Ah merde. Allez, ok, oui, Mars. Donc voilà, c'est la voiture qu'actuellement on conduit, enfin le chasse-neige. Ah putain, en plus j'ai du temps, faut que j'y aille en une minute. J'ai une minute pour aller au Kiwi Mark. Je sais toujours pas conduire, c'est super. Voilà, on est devant chez les Simpsons, donc on va bientôt. Il me chante,
Oh merde, je suis le méchant. Oh merde. Alors la barre jaune qui est sur la mini-carte là, qui grandit au fur et à mesure que je fais des infractions. Merde. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ce n'est pas une façon de bien se tenir. Chiot dans cette bagnole. Ah, ça va être la merde. Ah, il s'est vautré tout seul. Ah non, il n'est pas vautré. Si, je sais pas. Ah, il s'est peut-être vautré. Il est là. Donc là, le but, putain, enculé de bus, c'est de détruire la voiture de Smithers. Monsieur Burns enlèvera ça de mon bonus. Ah ouais, c'est une bête de vitesse, mais il y a des moments où non. Et voilà, bim, j'ai réussi. Je viens de la lustrer et de la briquer. Voilà ce qui arrive quand on me demande de faire le boulot. Et maintenant, il faut que j'aille à la centrale électrique. À la centrale nucléaire. Putain, il est incontrôlable, ce camion. C'est ouf. Camion de Barney, mais waouh! Barney, qu'est-ce que tu m'as donné comme camion là? Tu as foutu du volant et tu vas vite voilà. Le découvrir. Il y a quelqu'un ici qui vend un truc. On s'en fout. Mon but, c'est pas d'acheter. Allez, il y a une course, donc on fera la course après on fera la course, parce que ça c'est des drapeaux pour les courses. Si, j'ai aussi fait deux courses dans la partie où j'ai... Ouais, j'ai fait deux courses et fait la mission qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait, entre guillemets, quand j'ai essayé de voir pour les lags. Allez, on est arrivé. Ouais, on va aller. Il y a un truc à appuyer. Ok, super. Fallait que je vienne avec ma voiture. J'ai la zone de bikini qui me taquine. Pas besoin d'aller avec la voiture, c'est tranquille. Ça aurait été mieux, je pense, en voiture, ouais. Ah, vous savez quoi, il y a une cabine téléphonique, on va aller... On va reprendre ma voiture. Il doit être là, la cabine téléphonique. Là, voilà. Parce qu'ils nous ont dit que la cabine téléphonique permettait de récupérer les bagnoles. D'accord. Palapapam, papapapapalba, palalalalala. What? J'ai raté le bureau. Qu'est-ce qu'ils me disent d'aller dans mon bureau? Mais je sais pas où il est mon bureau. Si quelqu'un sait où est mon bureau, je le prends. Il n'y a pas d'indication, c'est quand même ouf. D'accord, ils me disent de rentrer là-dedans, c'est ce que j'ai fait. Mais après...
Ah, c'est peut-être celle-là qui... Ah non, mais ça, c'est plutôt... C'est la réparation. Ok. C'est quand même ouf de pas trouver là où il faut aller. Merde. Bah vous savez quoi, on va sortir, on va voir s'il y a des indications dans les flèches ou des trucs comme ça. On est perdu, je suis perdu, SVP. Oui, les vibrations me chatouillent les pieds. Allez, bim, j'ai encore trouvé une carte à collectionner, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ne me demandez pas. J'en ai aucune idée. Ok, il en est chez le maire. Il y a une course. Je sais pas du tout où c'est. Le bureau. J'ai pas assez de poche pour mettre tout ça. Là c'est l'école. Bah vous savez quoi, petite ellipse jusqu'à ce que je trouve, parce que là on peut tourner des heures et des heures comme ça. Donc petite ellipse jusqu'à ce qu'on trouve, allez à tout de suite. J'ai perdu les commandes. Voilà, de retour je pense avoir trouvé où c'est. C'est juste moi qui suis un peu bigleux dans la centrale. Là il y a un petit bouton. Oh what. Et là c'est en train de monter, il y a des trucs qui montent et tout, donc peut-être que le bureau il est par là, je vais vérifier, je vais aller voir. On va aller voir ça ensemble. Pour voir où ça nous mène tout ça. Dynamique, dynamique. Oui, je vole comme un emballage de bonbons dans un courant d'air. D'accord. Merci Homer. Oh, dynamique, dynamique. Ça sert à quoi? Donc voilà, je suis en train de faire un petit parcours. Je sais pas du tout où ça me mène, on verra bien. Mais what? Truc de merde. Alors oui, j'ai pété le... Toi, jamais plus courir. J'adore appuyer sur des trucs stupides. J'espère que ne pas appuyer veut dire appuyer tout de suite. Le machin monte. Peut-être faut jouer avec ça parce que ça va ouvrir la porte, j'en sais rien, mais... Oh là là, ça va me gaver. En espérant que ce soit bien ça, je parce que si je fais ça pour rien... Dans un courant d'air. Prends ça pour ta pomme. Oh, dynamique, dynamique. On va essayer d'aller aux endroits où je suis pas allé. Quoi? Ah, tu rien t'appuies dessus? Voilà. J'adore appuyer sur des trucs stupides. Oh la caméra. Oh la caméra. Non, c'est bon. Mais non, t'es pas sérieux, Homer. Putain, gros tas de... Ah, j'ai besoin d'une sieste disco. Oui, je vole comme un emballage de bonbons dans un courant d'air. À cause de la caméra mal placée, j'arrive pas à sauter dessus. Ah, fais chier. Ah, j'ai la zone du bikini qui me taquine. Prends ça pour ta pomme. Mais regardez la caméra qui change de plan, là, d'angle. C'est casse-couille. Putain. Dynamique, dynamique. Ah. Il y a un truc là-bas.
pas que tout ce que je suis en train de faire actuellement, c'est juste pour ça. On peut parler aux gens. Non. Si on s'approche de la porte, est-ce qu'elle s'ouvre? Ah putain, elle s'ouvrait depuis le début, mais c'est une blague. Oh là, bah alors c'était ici, c'était bien ici. Oh putain. Comment dormir avec cette caméra? Ouh, des filles canons me regardent peut-être sur internet. Maudite caméra, vous devriez être détruite. Je vais vous anéantir à votre source de courant. Oula. Détruisez tous les relais électriques avant la fin du temps imparti. Oula. Ok, il y a un relais électrique là. Ça, cette mission ne va pas être pour moi, je vous dis. Génial, comment j'ai réussi à te casser? C'est pas comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Stupide comme un renard. Dégage. Il m'en reste 5. Est-ce qu'il y en a? Il y en a un là, c'est ça. Ah, j'ai oublié celui d'en haut, c'est pas grave. Comment j'ai réussi à te casser? C'est pas grave d'être tombé. Je vous dis, ça va être faisable. Je vole comme un emballage de bonbons dans un courant d'air. Ah, ça c'est fait. C'est pas comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Stupide comme un renard. Bah, c'était simple, j'ai envie de dire. C'était pas le truc le plus compliqué à faire. Bah, après, faut réussir à que la caméra fasse pas de la merde. Et le dernier est juste en haut là. Hop. Voilà. Ça c'est fait, on va retourner à notre bureau pour faire la sieste, comme on dit. Je vais enfin pouvoir dormir. Fainéant sans cervelle, retournez dans vos immondes familles. Je vais gagner. Je vais gagner. Yeah, mission terminée. Donc voilà, hop, c'est une mission encore réussie pour l'agent d'Omer. Hop, ma voiture est là. Oula, il y a eu un petit bug. Ah non, c'est les flèches. Donc, nous on va aller devant chez la... On va faire une petite course avant de finir cet épisode. Parce que je sais qu'il y a une course à côté là. On va se la faire. Aïe. J'ai failli renverser ma glace. Si on la retrouve, bien sûr. Si on retrouve la course, on la fera. Non, mais ça va pas, non? Oh, ma voiture est presque détruite, à ce que je vois. Hop, commence, recommence pas les lags, s'il te plaît. Commence pas, ok? Hop, il est là, news. On va faire la petite course et on s'arrêtera là. Milouz, espèce de saucisse, qu'est-ce que tu fais ici? Patty et Selma me laisseront pas conduire un vélo sans les deux roulettes tant que je n'aurai pas le permis. Allez, donc terminez la course avant la fin du temps imparti, ne détruisez pas votre véhicule. 3, 2, 1. Donc voilà le but. Je suis une bête de vitesse, c'est de terminer le... Voilà, faire 5 tours en moins de... 1 minute 24, voilà. Donc j'ai l'habitude, vu que je joue souvent à Need for Speed, j'ai l'habitude de ce genre de truc, hein. On est d'accord. Bon, siège pour tout vous dire aussi, je l'avais déjà fait quand j'ai retesté le jeu pour les lags et tout. Donc, je connais le truc. Et c'est extrêmement faisable. Pas le truc impossible à faire où c'est au poil de cul et tout. Et
Et moi j'utilise le frein à main pour tourner. Donc voilà. C'est beaucoup mieux pour tourner. Il reste un tour, il reste 30 secondes. Ça devrait le faire si je me vautre pas dans les caravanes. Voilà. Donc j'ai envie de dire. Ça c'est fait. Je vais donner ton permis à Juju pour qu'il le mange. Je suis le roi du monde. 1/3 de course finie. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir retrouver notre véhicule. Et dès qu'on a terminé, dès qu'on est retrouvé, enfin dès qu'on a... Et dès qu'on arrive chez les Simpsons, on arrêtera là cet épisode. Voilà. Putain. Les vibrations me chatouillent les pieds. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Désolé encore du manque de vidéos qu'il y a, mais c'est parce que je suis en pleine recherche de stage. Et donc voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos. Oh allez, du deux roues. Oula. Voilà, on est arrivé. Nous on se quitte là, on se dit à la prochaine, c'était Link. Merci à tous de m'avoir suivi pour le deuxième épisode de Simpsons Hit and Run. À la prochaine tout le monde, moi je vais sauvegarder hein, tout ça. Alors progression, on va voir la progression, voilà. 4/7. C'est si court que ça. Mais non. Il n'y a pas que 7 missions de scénario. Bah, je pense que ce jeu sera bientôt terminé, donc on verra bien, ça se trouve, il y aura des petits trucs qui vont s'ajouter. On verra bien, donc c'était Link, merci à tous de m'avoir suivi, à la prochaine tout le monde, bye bye.